moi, je vais consacrer une partie de ma journée à libérer le bureau pour mon successeur avec un petit pincement au cœur quand même. Il a fait ses cartons toute la journée. Après plus de 3 ans passés à la tête du 9e arrondissement, Hubert-Julien Laferrière cédera officiellement ce soir son écharpe de maire. La raison, le tout nouveau député de la 2e circonscription du Rhône est atteint par le cumul des mandats. Il avait donc 1 mois pour faire son choix. Une décision qu'il n'a pas eu de mal à prendre, assure-t-il. Je crois qu'il aurait été difficile si j'avais dû complètement abandonner le 9e arrondissement, ne plus y être élu. Mais au fond, être un député tout en restant un élu du 9e arrondissement, je crois que les habitants du 9e me connaissent bien et ils verront que je serai au fond toujours utile à eux, toujours à leur écoute. Son successeur, il le connaît bien puisqu'il s'agit de Bernard Bochard, élu comme lui depuis 22 ans à la mairie du 9e. À l'époque, le maire s'appelait Gérard Collomb. Socialiste et République en marche compatible, il dit vouloir assurer une transition tout en douceur. Nous sommes en proximité puisque je suis élu depuis 1995. Et toutes les opportunités sont nombreuses pour échanger. Donc avec lui, c'est une transition qui se fait de façon assez naturelle. On se connaît l'un et l'autre. Notez que du côté du 5e arrondissement où la situation est identique, pas d'élection prévue pour l'instant en raison de recours déposés contre Thomas Rudigoz, élu dans la première circonscription.